L'individualité dans la religion. Introduction. La religion est le devoir que nous avons envers notre Créateur et la manière de nous en acquitter. La liberté est l'état d'être exempt de la domination d'autrui ou de circonstances restrictives. En éthique et en philosophie, le pouvoir de tout agent rationnel de faire ses propres choix et de décider de sa conduite par lui-même, spontanément et volontairement en fonction de raisons ou de motifs. La liberté religieuse est donc l'exemption de l'homme de la domination d'autrui ou de circonstances restrictives, la liberté de l'homme de faire ses propres choix et de décider de sa conduite, spontanément et volontairement, dans son devoir envers son Créateur et dans la manière de s'acquitter de ce devoir. Puisque Dieu a créé l'homme dans la nature des choses, la première de toutes les relations est celle avec Dieu. Et le premier de tous les devoirs ne peut être que le devoir envers Dieu. Supposons un temps où il n'y avait qu'une seule créature douée d'intelligence dans l'univers. Cette créature a été créée, et sa relation avec son Créateur, son devoir envers son Créateur, est la seule relation qui puisse exister. C'est la première de toutes les relations qui puissent exister. C'est pourquoi il est écrit que le premier de tous les commandements est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. La totalité de l'âme est d'abord due à Dieu, car tout vient de Dieu. Ce commandement est donc le premier de tous les commandements. Non pas parce que ce commandement est le premier, qui ait jamais été donné par la parole ou qui ait été écrit, mais bien parce qu'il est le premier qui puisse exister. Et ce, car il est l'expression du premier principe de l'existence de toute créature douée d'intelligence. Ce principe était là inhérent à l'existence de la première créature consciente dès le premier instant de son existence. Et ce principe demeure éternellement, immuable et inaltérable. Or, bien qu'il s'agisse de la première de toutes les relations possibles et du premier de tous les devoirs, bien que cette relation et ce devoir soient inhérents à l'existence même des créatures intelligentes, même dans cette obligation inhérente, Dieu a créé chaque créature intelligente en toute liberté. Elles sont libres de reconnaître ou non cette obligation, de s'acquitter ou non de ce devoir à leur gré. Pour cette raison, il est écrit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il est donc absolument vrai qu'en matière de religion, en ce qui concerne le devoir que nous avons envers notre Créateur et la manière de nous en acquitter, Dieu a créé l'homme entièrement exempt de la domination d'autrui et des circonstances contraignantes. Il l'a rendu libre de faire ses propres choix et de décider lui-même de sa conduite spontanément et volontairement. La liberté religieuse est ainsi un don de Dieu inhérent au don de l'existence rationnelle en elle-même. Tout service à Dieu qui n'est pas librement décidé par celui qui le rend n'est pas un service à Dieu. Il ne peut y avoir de vertu en ce service. Il ne peut y avoir de Dieu en ce service. Tout service rendu à Dieu, qui n'est pas librement décidé par celui qui le rend, ne peut être de Dieu, car Dieu est amour. Et amour et contrainte, amour et pression, amour et oppression ne peuvent jamais coexister. C'est pour cela que tout devoir, toute obligation, toute chose offerte ou rendue à Dieu, qui n'est pas le fruit d'un choix libre ni de Dieu,
ni en faveur de Dieu. En conséquence, lorsque le Seigneur créa toute créature, qu'elle soit un ange ou un être humain, pour que cette créature soit heureuse au service de Dieu, et pour qu'il y ait de la vertu à rendre service ou à adorer Dieu, il la créa libre de choisir de le faire. Il s'agit de l'individualité et du droit divin de celle-ci. Dieu a créé l'homme dans la liberté. Lorsque, par le péché, l'homme a été séparé et déchu de cette liberté, le Christ est venu la lui rendre pleinement. Le chemin de Dieu et du Christ est donc le chemin de la liberté. Et l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ en faveur de l'humanité, tout au long de l'histoire du monde, a été de rendre cette voie claire et de donner à chacun l'assurance absolue de cette liberté de l'âme, qui est la seule vraie liberté. Toute personne que le Fils rend libre est véritablement libre. Dans les Écritures sont données distinctement et clairement six leçons spécifiques sur le sujet de la liberté religieuse. La liberté de l'âme individuelle contre la domination de l'homme et des actions d'homme dans les pouvoirs du monde. Chacune de ces leçons traite du sujet selon un principe distinct et spécifique. Les six leçons réunies abordent l'ensemble du sujet à partir de chaque principe. Nous avons maintenant l'intention d'étudier ces six leçons séparément et consécutivement, telles qu'elles sont données dans les Écritures, en principe et en expérience, telle qu'elle est dans les Écritures de la vérité. Thank you.